Bonjour, alors dans cette vidéo on va essayer de se demander ce qui se passe quand on modifie le rayon d'un cercle. Quel sera l'effet euh, quand on modifie le rayon d'un cercle, quel est l'effet sur la circonférence et quel est l'effet sur l'air la, de ce cercle, alors de ce disque plutôt. Alors bon, je vais commencer par prendre un, un cercle. Je vais faire un cercle déjà ici. Voilà, disons que ça c'est à peu près un cercle. Et ce cercle-là, ben, il a un certain rayon. Alors le rayon c'est la distance, hein, je te rappelle c'est la distance entre le centre du cercle et un point n'importe lequel de la circonférence. Et donc ce, ce cercle-là, il a un rayon d'une certaine valeur, que je vais appeler x, hein, ça peut être n'importe quelle valeur en unité de, de mesure, avec n'importe quelle unité de mesure. Donc voilà, c'est un, un cercle de rayon X que j'ai dessiné ici et puis là bon, dans cette vidéo pour fixer les idées on va juste regarder ce qui se passe quand on double le rayon euh, du cercle donc en fait je vais dessiner à côté un autre cercle euh, qui va être de rayon double hein. donc euh, je vais essayer de le faire le mieux possible voilà donc, ça je vais le déplacer voilà Alors là bon c'est pareil, je vais placer le rayon ici donc c'est la distance du cercle à la circonf... du centre du cercle pardon à la circonférence. Et là donc on suppose c'est pas très visible ici, mais on suppose que ce cercle a un rayon qui est le double de rayon de ce rayon-là. Donc en fait ici le rayon c'est deux fois ce rayon- là donc c'est 2x, voilà 2x. Alors maintenant, on va regarder ce qui se passe sur la circonférence. Hein. Quel est l'effet de ce doublement du rayon sur la circonférence Alors, là, dans le premier cas ici, la circonférence, je vais l'appeler C, je la désigne par la lettre C, Eh bien c'est, on sait que c'est la, la circonférence d'un cercle, c'est 2pi fois le rayon, donc ici, ça sera 2pi fois x. Voilà. Et ici, dans l'autre cas, dans le cas de ce cercle-là, la circonférence c'est 2π fois le rayon. 2π fois le rayon, ça c'est la formule générale, mais ici le rayon c'est 2x, donc c'est 2π fois 2x. La circonférence c'est 2π fois 2x, et ça, ben, je peux enlever les parenthèses et faire les, changer l'ordre des termes. En fait, c'est la même chose que 2 fois 2 fois π fois x. Et ce que je peux écrire comme ça, c'est en fait c'est 4 fois x. Voilà. Donc là, j'ai un cercle de rayons x, sa circonférence vaut 2πx, et là, j'ai un cercle de rayons doubles, hein, 2x, et sa circonférence vaut 4πx. Alors, ce qui s'est passé ici, c'est que, bon, je vais le faire ça en rouge, on, ici, on a multiplié le rayon par 2. Et ce qui se passe, on peut voir ici, j'ai une, une circonférence qui est au départ est de 2πx, et ensuite, quand je double le rayon, et bien en fait, la circonférence, c'est 4πx. Donc en fait, on a aussi doublé la circonférence hein, pour aller de là, de cette circonférence de 2πx à celle-ci qui est 4πx. On a tout simplement multiplié par 2 aussi. Voilà. Alors maintenant, on va se demander ce qui se passe, quel est l'effet de ce doublement du rayon sur les aires de ces disques qui sont là. Alors, je te rappelle, hein, le cercle c'est la circonférence et le disque c'est quand on considère aussi l'intérieur. Donc si on parle d'une surface, hein, on va mesurer une aire, on parle d'une surface, eh bien, on, il vaut mieux parler du disque. Alors, l'air du premier disque, je vais faire ça d'une autre couleur. L'air du premier disque, bon, la formule générale de l'air d'un disque, c'est π fois le rayon au carré. Donc ici on va avoir π fois le rayon au carré, c'est-à-dire x au carré. Ça. C'est l'air de ce premier cercle qui est ici. Et dans le deuxième cas, ben, la formule, c'est toujours la même. Hein, c'est pi fois le rayon au carré. Mais ici, le rayon, c'est 2x. Donc j'ai en fait pi fois 2x au carré. Alors, bon, il faut faire un petit peu d'algèbre. 2x au carré, c'est 2x fois 2x. Donc en fait, c'est 4 fois x au carré. Donc finalement, l'air de ce disque-là, je peux la réécrire comme ça. C'est pi fois 4 x au carré et ça je peux l'écrire un peu plus proprement comme ça. c'est 4 fois pi fois x au carré. Alors là, tu vois ce qui se passe. En fait, je suis passé de cette air, là j'ai doublé le rayon. Hein, et euh, ce qui se passe sur les airs en fait, c'est que j'ai multiplié par combien? Pour passer de l'air de ce disque à l'air de ce disque, ben, là j'ai pi x au carré, là j'ai 4 fois pi x au carré. donc j'ai multiplié ça par 4 Voilà. Alors là, si on reprend un peu ce qu'on a fait, ben, j'ai doublé le rayon. L'effet sur les circonférences, c'est que les circo la circonférence est doublée aussi. Par contre, l'air, elle est multipliée par 4. Alors ça, pourquoi est-ce que c'est comme ça ben, En fait, ça vient directement de, de la formule. Hein. Alors rappelle-toi que la formule générale de la circonférence, c'est C égale 2pi fois le rayon R. Ça c'est la formule générale d'une circonférence. Donc, si je double le rayon, eh bien en fait je vais avoir ici euh, 2r à la place de r, donc je vais doubler la circonférence. Si je multiplie le rayon par 3, eh bien, je vais avoir ici 3r à la place de r, donc je vais multiplier la circonférence par 3. Hein. Et si au lieu de, de tripler le rayon, je le je multiplie par 5 par exemple, eh bien en fait la circonférence sera multipliée par 5 aussi. Hein. C'est pour ça que quand on multiplie le rayon par un certain nombre, eh bien la circonférence est multipliée par le même nombre. Voilà. Par contre, quand on regarde les airs, eh bien la formule générale de l'air, c'est pi fois le rayon élevé au carré. Pi fois r au carré. Donc en fait, si je multiplie le rayon euh, par 2, et eh bien euh, je, je dois élever 2 r au carré, donc je vais avoir le facteur 2 qui va être élevé au carré. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec l'air qui est multiplié par 2 au carré, par 4, donc c'est 2 au carré. Si je multiplie le... Si, je, si au lieu de doubler le rayon, je le triple, et eh bien ici je vais avoir 3 r, le tout au carré, donc ça va être 9 fois r au carré. Donc l'air va être multiplié par... 9 qui est le carré de 3. Et plus en général, ben, si je, euh, au lieu de tripler le rayon, je, je le multiplie par 4, et eh bien l'air va être multiplié par 4 au carré, c'est-à-dire 16. Et si je multiplie le rayon par 6, et eh bien en fait, l'air va être multiplié par 6 au carré, c'est-à-dire 36. Donc là, dans ce cas-là, quand je multiplie le rayon par un certain nombre, l'air est multipliée par ce nombre-là au carré. Voilà.